Auprès d'une sérieuse organisation, entreprise depuis plusieurs années, la France fait partie de ces nations qui sont arrivées au top niveau en voile. Située dans le Morbihan, sur la presqu'île de Quiberon, l'école nationale de voile est le lieu où les passionnés du bateau reviennent régulièrement. Le centre, dépendant directement du ministère de la Jeunesse et des Sports, mène différentes activités. La formation des moniteurs et des entraîneurs, l'entraînement des coureurs des équipes de France, la recherche pédagogique et technologique. L'UNV a décidé de développer un centre d'expérimentation pour offrir aux coureurs les outils et les méthodes qui leur permettent d'affiner la connaissance de leur matériel. D'abord, être capable de choisir le matériel le mieux adapté à sa morphologie et à sa façon de naviguer. L'étape suivante consiste à optimiser l'utilisation de ce matériel, puis à pouvoir contrôler son vieillissement et le renouveler le cas échéant par un matériel que l'on sait identique. Les coureurs travaillent régulièrement sur la technologie de leur bateau grâce à des systèmes de contrôle conçus et réalisés par le CETER. Un banc de mesure de latte et un autre pour les dérives. Une caméra installée sur le bateau permet au retour à terre de visionner la forme de la voile en navigation. Au préalable, des pastilles ont été fixées sur les voiles pour avoir le maximum de repères. C'est environ 15 nœuds de vent. La mer est plate, là on est près de Saint-Yves donc. À l'UNV, le CETER poursuit ses recherches.